Le voyage nocturne, celui d'ascension et la prescription de la salade. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, et accomplissez la salate et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux, que, ceux qui s'inclinent. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. L'unique sans associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le voyage nocturne et d'ascension à bande de donations divines, dit-elle Allah, Gloire à lui, spécifie à cette communauté, dont en tête la prescription de la salade, ce dont divin qui lie les serviteurs à leur Seigneur. Le prophète dit Et elle me prescrit cinquante salades par jour et nuit. Je de son divers Moïse, celle sur lui, que me dit Que ton Seigneur t'a-t-il prescrit Cinquante salades répondu-je. Je me dis je me dis, reviens à ton seigneur, lui solliciter de les alléger, ta, com ta communauté ne pourrait pas les assumer. Je donc imploré, oh mon seigneur, allège la salade à ma communauté. Le prophète ne cessa de revenir à son seigneur, gloire à lui jusqu'à Allah, lui dit, il s'agit de 5 salades par jour et nuit, chacune à la rétribution de 10. Elles font donc 50. Prescrire la salate, au-dessus de sept cieux, se tient preuve, éclante sur sa sublime place. La salate est une source de joie, vivacité de corps, plaisir d'âme, une ascension de foi via laquelle les gens montent, les construisent de s'approcher du Seigneur de l'univers. Gloire à lui qui dit :« Et prosterne-toi pour te rapprocher. » Le prophète dit :« Le serviteur s'approche davantage de son Seigneur lorsqu'il prosterne. Toute prostitution que te fait Allah te lève grâce à laquelle un degré et ta face un péché. La prescription de la salade au cours de ce voyage béni était, était un soulagement pour notre prophète. Que, le, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui. Après les épreuves dont il était objet durant cette année, qualifiée de année de tristesse, cela montre que la salade est à l'origine de la sérénité de corps. De l'ouverture de pointure et la source de joie. Elle est le secours apporté par Allah au moment de malheurment. Allah, à lui dit Et nous savons certes que ta pointure, ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Golorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu viens là sur titude la morte. Elle dit également, et cherchez secours dans la patience et la salade. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit, ma source de joie se trouve dans la salade. Et Bel-El, les en, trouver le repos dans la salade. L'allègement donne un bord de, de salade de Salat à la communauté mohammedienne de la part d'Allah montre sa miséricorde vis-à-vis -vis de ces créatures et la facilité, la levée du jeûne et des difficultés qui caractérisent la charia islamique. Allah gloire à lui dit, Allah n'impose à un âme que ce qu'il pourrait assumer et Allah veut... Pour vous, la facilité, veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Le prophète dit, certes la religion est une facilité. Il dit également, Allah ne m'envoyait pas pour allodir ni pour maloudir, elle m'envoyait plutôt institutier, et facilitature. louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messager notre maître Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute, la salade est un dialogue entre les gens et leur Seigneur. Gloire à lui. Le prophète dit Allah, gloire à lui, dit J'ai divisé la salade en « Entre moi et mon serviteur. J'ai donné à mon serviteur ce qu'il qu souliste lorsqu'il dit « louange à Allah, Seigneur de l'univers ».« Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Le Clément, le miséricordieux », Allah dit « Mon serviteur m'a fait éloger lorsqu'il dit » C'est toi que nous adorons, c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Allah dit Cela est là, et entre moi et mon serviteur, et à qui je donnerai je donnera ce qu'il a qu impoléré. Lorsque le serviteur dit Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ce que tu as comblé de faveur, nos pas de ceux qui encore ta couleur, ni dit égaré. Allah dit cela et cela, et à mon Seigneur, à qui je donnerai ce qu'il a en pleuré. » La salade est un effet merveilleux dans la correction de l'âme, de l'attitude, et pour se caractériser d'une bonne moralité. Allah lui dit et accomplit la salade. Certes, la salade interdit la turpitude et l'âme abominable. Et l'abominable. Le vrai croyant ne pourrait pas être un menteur, ni fraudeur, ni trompeur, ni traître, ni manquant aux promesses. Il doit être plutôt d'immoralité. « Qui marche sur la terre en fonction de la méthode de la charia d'Allah, gloire à lui. O Allah, Allah fais que nous accomplissions la salat. Nous et nos descendants exouzons nos invocations. »